Bonjour et bienvenue les amis. Heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode des outils pour votre bonheur. Je suis Laurence Guillot-Noël, art thérapeute et créatrice de l'art d'être heureuse. C'est un programme de soins personnalisé, 100% dédié aux femmes qui souhaitent se construire une vie meilleure et plus heureuse. Au programme de cet épisode, comment terminer l'année en beauté? Le mois de décembre est un mois charnière entre deux saisons. La saison de l'automne, qui est une période d'intériorisation, et l'hiver, qui est une période de ressourcement. Décembre est aussi un mois de clôture pour toute l'année qui vient de s'écouler. Alors comment mettre à profit ce 12e et dernier mois de l'année sans s'épuiser, s'égarer ou perdre son temps? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Avant toute chose, c'est le moment opportun pour vous poser et regarder dans votre rétroviseur intérieur. Ce temps est véritablement essentiel car il permet 1. De faire le bilan de toute une année écoulée, 2. De faire l'état des lieux de votre situation actuelle et 3. Il vous permet d'ores et déjà de déterminer vos axes et vos orientations futures. Cette action de bilan permet de devenir acteur de sa vie. Elle nourrit votre estime et votre ego. Et indirectement, elle nourrit également votre affirmation et votre confiance. Alors gardez à l'esprit que les événements agréables ou désagréables sont des expériences qui nous amènent à grandir, à expérimenter et à nous dépasser. Après ce temps de prise de conscience, il est utile de se mettre au travail, mais avec modération et stratégie afin d'être totalement efficient. Vous pouvez donc choisir de clôturer les dossiers en cours. Attention à ne clôturer que les dossiers en cours. N'engagez rien à moyen et à long terme. L'idée étant à cette étape de vous libérer de tout ce qui a été engagé afin de vous sentir plus léger en cette fin d'année. Ceci est valable pour tous les domaines de votre vie. Le travail, la maison et pour soi. Cette période est également propice à la mise en ordre. Alors, trier, classer, ordonner, organiser votre lieu de vie et votre lieu de travail. Faites le vide dès que possible, ceci vous donnera une impression de légèreté très agréable. Souvenez-vous que l'ordre dans lequel vous vivez influence votre clarté d'esprit. Alors, même si les fins d'année sont souvent animées et chargées, essayez de vous aménager du temps. Du temps pour vous chouchouter et vous reposer. Du temps pour ralentir et vivre à un autre rythme. Autorisez-vous à quitter le mode vite-vite pour un mode où vous prenez le temps. Le temps de faire les choses à votre vitesse, à votre rythme. Le temps de souffler, de vous poser, de reprendre haleine. Le temps de prendre soin de vous, car personne ne pourra le prendre et le faire pour vous. Ce temps pris est en aucun cas du temps perdu. Bien au contraire, il vous sera utile et précieux à un moment ou à un autre. Voilà, cet épisode se termine. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux trucs et astuces pour vous aider à vivre le meilleur. Retrouvez-moi sur Facebook, sur Instagram et sur le site L'Art d'être heureuse. Je vous invite à liker cette vidéo sur Facebook et sur YouTube. Ce petit geste permettra à d'autres que vous de la trouver plus rapidement et plus facilement. Si ce sujet vous a interpellé, si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez envie d'avancer sur une problématique qui vous est un peu plus personnelle, n'hésitez pas à me contacter par message privé sur Facebook ou par la page contact de mon site L'Art d'être heureuse. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite de passer une très agréable journée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.